Describe the British Council in three words. Inspirant, engagé, catalyseur. J'ajoute une quatrième opportunité. Describe your first 3 months as country director in three words. Intense, passionnant et enrichissant. What are your personal links with the UK and France? Je suis franco-américaine et très attachée à mon identité multiculturelle. J'ai eu la chance vraiment de passer mes études supérieures en Royaume-Uni et ça a changé ma vie. C'était très transformateur et ça reste toujours une partie intégrale de qui je suis et ce que je fais. Describe what the British Council does in 2 sentences. Nous sommes l'agence britannique internationale qui crée et renforce les liens entre les peuples britanniques et les différents pays dans la France. Ici en France, nous touchons chaque année presque plus que 1 500 000 personnes à travers nos activités. Name 3 things that the British Council is not. Le British Council n'est pas politique, n'est pas exclusive et n'est pas juste composé des Britanniques qui travaillent pour le British Council. En fait, nous sommes vraiment multiculturels, inclusifs, et c'est sûr que nous travaillons sur les axes qui sont culturels, éducatifs, donc ça nous donne les opportunités de tisser les liens beaucoup plus forts à travers nos peuples et nos histoires qu'on partage. What is the British Council highlight of the year? Bon, nous sommes à la rentrée en France, donc c'est passionnant. Nous avons les étudiants qui arrivent dans nos locaux et on a l'opportunité de commencer avec nos partenaires les différentes activités qu'on a prévues depuis longue date. Mais aussi, on a l'opportunité parce qu'elle vient d'arriver, la première ambassadrice britannique, Mena Rawlings, et elle prend sa poste cette semaine. Donc c'est une vraie opportunité pour nous de travailler ensemble avec l'ambassade et avec l'ambassadrice sur les axes qui sont forts entre la France et le Royaume-Uni. Par ailleurs, je pense que nous commençons à travailler sur les différents grands projets. Par exemple, le Jeux olympiques Paris 2024 arrivera très bientôt et donc nous avons énormément à apporter à cette opportunité entre nos pays et les pays en Europe. What would you like to see happen at the British Council while you're country director? J'aimerais que le British Council marque bien l'histoire de la France et le Royaume-Uni. Je pense que les relations franco-britanniques restent toujours très très fortes, mais nous pouvons faire plus pour être un phare dans le renforcement de ces liens. Pendant ce moment difficile, je pense qu'on a besoin d'un British Council qui travaille sur le plan éducatif, culturel, en utilisant et en tire en grande partie des événements qui arrivent, par exemple le Jeux olympiques, Paris 24 et Paralympiques, à travers les sommets et les autres événements. What are your thoughts on digital and physical world and the British Council's role in this shift? Le monde digital est devenu une partie de nous aussi. Mais on ne peut pas juste faire tout à travers le digital. Le numérique nous a apporté les opportunités de voyager au-delà de confort de nos salons, mais en même temps, ça donne les opportunités pour les jeunes de vraiment se réaliser avec les formations qui n'étaient pas possibles avant. Mais la face-à-face reste toujours quelque chose pour les êtres humains très important aussi. Donc le British Council privilégie les deux et nous travaillons sur les axes pour garder ce qui est précieux, le bijou qui existe dans les moments face à face entre les personnes, mais en même temps en offrant beaucoup plus à travers nos offres digitales. How do you see the future of post-Brexit British Council France? Pour tout vous dire, le Brexit ne change pas le fait que le Royaume-Uni existe en Europe depuis toujours. Et donc, nous avons les histoires que nous partageons ensemble. Nous sommes sur un autre chapitre. Il faut le construire. Il faut le construire ensemble. Et je pense que le British Council jouera un rôle très, très, très fort et clé dans cette construction. Après Brexit, nous offre les opportunités aussi
de voir autrement comment construire ensemble nos vies et le monde.